Monsieur Benzaï. D'ici 48 heures, nous serons en train de jouer à FF7 Remake. Techniquement, on peut y jouer 12 heures avant, mais ça m'intéresse pas trop vu qu'en fait il faut vous passer le prologue et il y a plein de choses qu'on peut pas vous montrer, de spoil, etc. Moi je veux découvrir le jeu Nature Peinture, donc ce sera à partir de minuit dans 48 heures. Mais du coup, profitons-en pour jouer à Balatro, car après il sera trop tard et ça va être la même pour Helldivers. Là, le but c'est qu'on se dégoûte de Balatro ou qu'au moins on lui mette sa mère en finissant au moins une party. Comprenez-vous ? On a quelques mains, on a quelques trucs, mais sachant que le premier défi à finir, c'est de débloquer au moins, de finir au moins avec 5 jeux. Donc on va rester sur la première, le premier jeu de base et on va essayer de faire l'amour au jeu. Une mécanique qu'on n'a pas trop utilisée, c'est quand même de passer la blinde pour pouvoir changer, pour pouvoir se donner des buffs au lieu de d'avoir une récompense en cash. On rappelle, au début du jeu, pas vraiment de game plan, donc soit on fait des couleurs, soit on fait des suites. Faut faire ce qui marche le mieux. Sinon, on va être un peu triste. Parce que ça va être compliqué sinon de gagner moins d'argent que prévu. Là, Full House nous permet de passer. Et bien sûr, n'hésitez pas, comme vos streams de casino préférés, n'hésitez pas à vous abonner pour que je puisse avoir plus d'argent, financer mon addiction. Oh, alors ça, c'est pas mal. Putain, ça ferait un bon truc dès le début. Hein. Multi plus 12 sur les brelans. On va prendre celui-là. Et donc, maintenant, ça veut dire que on va grincer des dents chaque fois qu'on va se défausser. Mais tant pis, on va jouer. On va jouer nos défausses. Faire un score d'au moins 450 et ça nous permettrait d'avoir un prochain lancer à 0$. Ça nous intéresse pas. Bien évidemment, quand Ganesh a voulu jouer tout à l'heure, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a gagné au pif alors qu'en 30 heures il avait gagné que 10 fois. Jusque là. Oh oui! Merci pour ce raid! Bienvenue! On vient juste de démarrer une game de Balatro. Cette espèce de jeu où en fait vous débloquez des jokers qui vous permettent de. Des perks qui vous permettent de tricher au poker pour battre des blinds de là ici 450. Vous voyez, j'ai ici une full house avec. Mais on est d'accord que les gens ils disent pas full house. En français tu disais comment déjà pour full house quand t'avais 3 et 2? Il me semble que ça portait un autre nom. Ouais, je crois qu'on disait juste un full. Ouais, je crois qu'on disait juste full. Merci Jinx pour le Prime. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner parce que effectivement ici on gagne plus d'argent qu'Amazon parce qu'on a le 70-30 et ça c'est beau. Quelque part ça veut dire des choses. Ouais, voilà. Donc là par exemple j'ai un full house. Il est level 1 donc ça fait 40 x 4. Et en plus je vais avoir un x 2 à la fin dans mon facteur parce que eh bien je n'aurai avec mes ramen eh bien tant que je me défausse pas j'ai un facteur de 2 j'ai un facteur x2 au multi donc là c'est x2 par carte défaussée et en fait non chaque carte défaussée enlèvera 0,01 donc le but ça va être de défausser un minimum pour garder ce multiplicateur le plus longtemps dans la partie. Plus 50 jetons si la main jouée contient une pierre. Lorsque la blinde est choisie, gagnez plus 3 mains et perdez toutes les défausses. Je comprends pas trop la description de ces trucs là. On va s'acheter des. Est-ce que je m'achète un pack célestial? Parce que franchement, je les trouve éclatés ces jokers. On le revendra. On peut jouer paire, sachant que là toutes les cartes cœur n'existent pas, ne servent à rien.
On sait que s'il y a une paire, on a plus 50. Le but, c'est de se défausser un minimum. C'est un larron. Donc là, je jouais deux paires. Le but, c'est de se défausser un minimum, donc on essaye de jouer au maximum. Hey, merci, Pagne Labo. Quitte à jouer des cartes qui servent à rien. Vous pouvez backseater un petit peu, hein. Mais je suis loin d'avoir tout débloqué, hein. 3$ pour chaque 5 cartes défaussées, c'est pas du tout dans notre plus un emplacement de consommable. Je vais essayer. Cet après-midi, j'avais un truc, quand j'ai rejoué vite fait, j'avais un truc qui générait des cartes tarot et un truc qui faisait plus un multi chaque fois que j'utilisais une carte tarot. Et j'avais... Non, c'est ça, j'avais un truc qui faisait des cartes tarot chaque fois que j'ouvrais un booster et un autre truc qui avait plus un et un autre joker qui donnait plus un de facteur par carte tarot utilisée. Y compris sachant que certaines cartes tarot généraient deux cartes tarot elles-mêmes. Seulement, ben, il a suffi qu'un des boss ce soit un truc ne jamais rejouer deux fois la même main et puis il y aurait eu dans le cul. En parlant de cartes tarot, on va voir ce qu'il y a. Converti jusqu'à 3 cartes en trèfle, crée une carte joker aléatoire. Ça c'est très bien parce que ça permet d'avoir des jokers que t'as pas forcément déjà débloqués. Donc la carte fidélité, multi x 4 toutes les 6 mains jouées. Donc ça c'est très très bien. Il faudra un peu taffer mais j'y crois à mort. Alors effectivement, je relance une game telle ma tata qui lançait des games de solitaire sur et elle avait acheté un PC, genre il a le solitaire, bon ok c'est un bon PC. Donc là le but hein, c'est de jouer le minimum de défausses pour et avec paire pour avoir 50 en plus ici. Mais alors toutes les 6 mains faut les compter hein, faut compter quand est-ce qu'on aura le boost hein. Là on est loin d'une paire. Le problème c'est quand tu joues couleur t'as beaucoup besoin de défausser. Alors que là justement on va essayer de moins défausser. Tac tac tac. Là j'ai une petite paire de couilles. Ça suffit à faire le café pour l'instant mais c'est pas dingue. Sachant que la paire proc même quand tu joues deux paires et j'imagine quand tu joues full house aussi. Multiplicateur à la fin pour meilleur score, plus bleu, plus rouge et ensuite X rouge. Plus 20 s'il y a un carré, niveau supérieur de paire. On aurait pu l'utiliser tout de suite. Hein. Il y a un méga Arcana Park. Non, mais en fait, c'est qu'ils sont à chier mes jokers là, c'est un truc de fou. On va voir si celui-là il peut générer un joker. Alors ça c'est bien. Oh, les cartes multi c'est vraiment. Ça fait partie des meilleures. Une carte en acier. Et le joker qui fait plus 1, plus 50 jetons, plus. Allez, ça vaut le coup. Oh oui putain, oh là là. La carte de fidélité qui passe au lot. C'est un larron. Ça c'est bien cracou. Maintenant on va prendre deux cartes pour faire. Pour les passer en multi. Si possible, 2-8 pour faire des pairs à l'avenir. Et je vais reprendre un Arcana Park. Bienvenue à Arcana Park. Oh là là, créer jusqu'à 2 planètes aléatoires, blabla. Et on booste la paire. Et on booste la suite. Voilà, donc la paire est déjà level 2, c'est tout. Level 3, pardon. Donc on a un peu boosté les paires. Alors oui, j'étais un peu gourmand. Et j'aurais dû regarder les autres. Et l'avantage, c'est que là, deux paires. Voilà. On est pour l'instant un peu en avance.
$3 de la valeur de vente à la fin de chaque manche. Il peut toujours rien dire, des fois. Des fois il dit n'importe quoi, hein. On va jouer arcane encore. Alors là, ça me donnerait $8. Carte libre, j'aime pas trop. Alors les cartes libres, c'est bien et pas bien. C'est bien quand tu joues couleur. On va refaire deux cartes planète. Voilà, pour booster 2-3 trucs. Petite paire. Du coup, la paire est plus forte que double paire. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il vaut mieux faire une paire. Toutes les cartes de figure sont tirées face cachée. Ok, bon. Ça marche. Alors, l'avantage, c'est que tu peux faire des couleurs. Faire valeur et couleur. Du coup, là, une seule paire, c'est mieux que deux paires. Du coup, on gagne. Vous avez vu, sur une seule paire, on a mis 2800, quoi. Donc, si on bourre la paire... Si on bourre la paire, Allez, le carré. Le Vorcher, mais bien aussi. J'ai rien compris au système de... Je vais être con, j'ai rien compris au système d'intérêt. Je pense qu'il est mal traduit, ou alors je comprends pas les intérêts dans la vraie vie, je ne sais pas. Mais c'est vrai que là, vaut mieux faire paire. Attends. Parce que oui, paire, c'est 40 x 4. Et 2 paires, c'est 20 x 2. Du coup, en fait, vaut mieux que je fasse paire, paire, paire. Je scorerai plus fort. Voilà, 12320. Mais je pense qu'on est tombé sur le proc de celui-là, là. Ah, par contre... Ah, d'accord, celui-là, le Joker, il finit par crever. Ah oui, ça, j'avais pas fait gaffe. Ok. Bon, alors doubler l'argent, c'est un no-brainer. Hein. Je trouve que c'est gratuit. Par tranche de $5 que tu possèdes déjà, tu gagnes $1 de plus à la fin de chaque rang. Ok. Ok, ok. Je comprends mieux. Du coup, c'est moins bien qu'il soit holo celui-là. Donc celui-là est devenu holo, c'est cool. Celui-là, c'est moins... il a une durée de vie, quoi. Même si, comme on se concentre sur le fait de gagner vite, on fait peu de mains, finalement. C'est toutes les 6 mains. Ah oui, d'accord, 5 restantes, c'est avant le proc. Ah oui, il te dit quand ça va proc. Ah, c'est bien, en fait. Ok, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Le saut rouge, il se redéclenche. Elle est holo plus 10 au multi. Oui, bon, no brain. Bien sûr. D'accord, je viens de comprendre. C'est giga craqué, en fait. Pour l'instant, c'est toujours pas des faussaires. On a notre x2... Donc en fait, on peut prévoir. Ah, c'est 4 jetons. Il y en a un, c'est moins de 3, qui est vraiment pas mal. Oh là là, non mais... Cet après-midi, ça n'est jamais arrivé, ça. Je n'ai jamais réussi à holo aucune carte. Et là, bien sûr, ça marche. Bien sûr que je veux... Une carte sur 7 est tirée face cachée. Ça, en vrai, ça passe parce que de toute façon, ce qu'on veut faire, c'est des paires. Une foil, une holo. Ah oui, c'est polychrome, foil ou holo. Ouais. Donc j'ai une holo, une poly, une aluminium. Ok. Ça commence à se voir. Alors celui-là, il faut en acheter, je sais plus combien.
pour gratter un truc endgame, quoi. On ne sait pas ce que c'est, mais moi j'aimerais jouer en fait. Je veux booster ma paire. Je veux augmenter ma paire. Le nombre de fois qu'une main de poker a été jouée au multi. Ah oui, d'accord, mais j'achète les deux. Attends, je double l'argent. Là, ça se passe bien quand même, hein. C'est-à-dire que pair, on l'a joué je sais pas combien de fois, hein. Une carte planète, cette carte est tenue à la main à la fin de la manche. Ça, ça peut être bien de la garder, parce que de toute façon, en plus, on essaie de tout baiser en une seule manche. Donc, créer une planète qui pourrait booster la paire, c'est bien par rapport à une carte qui peut se casser. Ça devrait stonks. Si je passe la blinde, j'ai un paquet bouffon. Ah, ça peut être mieux que de gagner de l'argent. Le paquet bouffon, ça coûte cher. Ah oui, en plus, c'est un paquet double bouffon. Chaque carte jouée joue des points, mais nous, on veut faire que des paires. Octroie 10 jetons si la main jouée contient une quinte. Multi plus 4. Les cartes jouées de valeur paire octroie plus 4 au multi lorsque ces cartes marquent des points. Je pourrais me contenter du multi plus 4. C'est vrai que celle-ci... faire en sorte que je pourrais jouer paire plus 3 trucs mongols, paire plus grosse carte random, et ça ferait des points. Les autres non mais ça va être ça, c'est trop fort. 50 jetons de plus sur la paire. Non mais de toute façon elles sont boostées maintenant, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Je vais pas jouer autre chose. Celle-ci électronique, une copie de la prochaine étiquette sélectionnée en excluant étiquette double. C'est quoi une étiquette? Non, au bout d'un moment, faut jouer au jeu. Hein. J'ai l'impression de tricher quoi, si je fais pas le truc. Oh, j'ai même pas une paire là. Enfin, genre, ça fait un bail qu'on n'a pas eu de vraie paire. Mais j'ai ça qui fait que chaque carte attribue des points. Et du coup, si chaque carte attribue des points, tu fais juste grosse carte. Et comme t'as des facteurs débiles, voilà, tu fais un... genre, t'as pas de main, donc 4800. Ah putain, celui-là il est très très puissant. Si je dois remplacer... putain, si je devais... attends, je vais d'abord acheter une carte. Je vais d'abord acheter... essayer de booster la paire. Putain... essayons de booster carte haute. Diminuer le niveau de la main de poker joué. J'y crois à mort. Pour l'instant, on se défausse pas. Hein. Ce qui est bien, c'est que là, tu peux faire juste carte haute, quoi. Mais c'est débile, là tu joues même plus. C'est genre il est même plus question de jouer quoi. Paire plus un truc, voilà. Du coup là ça compte comme une paire. Voilà le... alors la carte joker, lorsque vous êtes sélectionné, créez deux jokers communs, voir, je vais gagner
plus une main par manche. Ouais, on achète. On achète direct. Si je passe la blinde, je gagne 10$. Ce sera beaucoup mieux que de jouer. Ah mais par contre, je peux rien acheter, et merde. Paquet Mega Arcana. Qui doit valoir 4$ à peu près. Bon, vas-y, on va la jouer celle-ci. Pour l'instant, j'ai joué 9 fois paire. Attends, ça prend combien de fois? 10, ah ouais, d'accord. Putain, et après, ça fera 11, 12. Ça se brûlant le balatrou. Chichayu qui vient de perdre une run sur une petite blinde à 47 milliards. Envie de péter mon crâne. 47 milliards, oui, mais on n'a pas les mêmes. Je pense qu'on n'a pas débloqué les mêmes jokers. Hein. Et la paire, il a pas, il a envie de, il a rien envie de savoir. Hein. Chaque carte jouée compte. Non, mais en vrai. Je sais pas si là je peux prétendre à mieux quoi. On va ouvrir des cartes de tarot mais. Était en petite blinde en puissance 13 je crois, laisse tomber ça en couille après. Multi plus 1, tu vois ce que là ça fait plus 10 si j'utilise des tarots. Mais multi plus 10. On est déjà à plus. On est déjà à plus. Ça monte tout seul. Et les autres trucs sont feuilles, sont machin. Ça fait déjà multi plus 10. Et x4 toutes les mains. Non, je pense pas que pour l'instant j'ai de. Première main face cachée. Ok, de toute façon le truc c'est que. Oui et donc. Il y a même une paire. Voilà, et ça a créé une carte planète parce que j'ai gardé mon truc. Améliore une carte pour pierre. Mais alors, non, ça nous avance pas du tout. Nouveau lancer coûte 2€ moins cher. Là, du coup, on peut relancer pour 3$. 40 jetons pour chaque défausse restante. Ah ouais, donc 160 jetons en plus. Ah ouais, parce que du coup, comme chaque carte jouée, ça remplace bien le plouf. Vu que je joue en mode no défausse. Là, on part sur 160 même quand il n'y a pas de carte. Donc autant jouer carte haute derrière quoi. 1$ par défausse dans cette partie. 53$. Voilà. Jamais de problème d'argent.
On va tester quand même, hein. On va tester les paires. Là, j'ai le droit de jouer 5 fois, de toute façon. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Putain! Bon là on est tué, on est carte haute paire. Ah là, la paire. Merci. Là ça y est, on peut craquer notre slip, hein. Les cartes vertes, je suis pas ouf, hein. 0-2 multi par main consécutive jouée sans votre main de côté poker le plus jeu. Donc d'accord, ça c'est l'inverse de ce qu'on essaie de faire. J'améliore mon anus. Pas le type de main répétée cette manche-ci. Oh putain. Faut que je fasse 40 000 avec une paire ou deux paires, quoi. Ok. Partons sur une première paire, voyons ce que ça nous en... où ça nous emmène. Merci Metro Giveaway. L'avantage, c'est que là... Enfin, ça va être dur de faire... Ah si, on peut faire une carte forte. Parce que de toute façon, on a plus 160 de base, donc... En vrai... Carte jouée 1 paire plus 30 à chaque truc. Plafond d'intérêt. On veut des cartes arcanes. Hein. Deux planètes. La paire qui augmente, qui passe niveau 6. Ouais, ouais. Le jumbo booster. On prend le voucher. Plus ça, la taille de la main, j'avoue que ça c'est pas mal. Hein. Je pourrais enfin tenir ma bite. LOL! Étiquette graphique. Le magasin possède un joker holographique. Ah oui, d'accord. C'est juste le magasin qui aura un joker holographique. Mais j'en ai déjà qui font plus 10, tu vois. Tu sais, il me fait une fois 2, quoi. On va la jouer, on va la jouer. On a failli gagner sur ça, quoi. Alors ça, ça a l'air vraiment d'être le mal. Améliore une carte pour en faire une chance. L'as de cœur. Plus 4 multi, plus 50 jetons et ça, plus 60 jetons. Ok. Celle-ci, elle est holo alu. Chaque carte figure en main, une chance sur deux d'octroyer un dollar. Nouveau lancer de la boss blinde. Ah. Et c'est après avoir joué ou défaussé, tirer toujours 3 cartes. Bon, non, ça me fait pas trop peur. Mais par contre, c'est 52 000, quoi. Pour le prochain truc. Pour l'instant, c'est jamais défaussé de notre vie, hein. On rappelle, on est en mode peau de cocu. Ah, là, ça va être actif. Donc là, va y avoir... fois 4 sur la main.
là je joue grosse carte. Ça se passe à peu près bien, hein. Les jokers peu communs ajoutent 1-5 à chaque multi. Mais déjà, on améliore. La paire passe level 7. Hein. Là, qu'est-ce que j'ai? Attends, les jokers peu communs ajoutent 1,5. J'en ai que 2. Hein. On va s'ouvrir un petit pack d'arcana. Oh là là, l'autre est pas solo. Pff, oh là là, on est bien. Je le sens bien. Tant pis si elle se brise, on est sur la fin. Celle-ci, elle peut passer tant qu'elle reste en main. Ok, ça marche. Après avoir joué ou défaussé, tirez toujours 3 cartes. Ça, là, je le sens bien. Je sens que ça va bien se passer. Ce que je vais faire, c'est que... Voilà, et si cette carte reste en main, on a 1,5. Là, je fais une paire d'as. La paire de 8 qui fait plus 4, plus 1, fois 1,5, talala, talala, talala. C'est gagné, 8ème round. Première fois qu'on y arrive. On augmente la carte haute parce que c'est un truc qu'on fait souvent. Plus 4 jetons, 3$ si elle est à la main de la manche. Crée une planète. 9 jetons et chance, ok. Ah oui putain, ah celle-ci elle est balèze parce que c'est plus 20. Celle-ci elle pourrait remplacer la supernova. Celle-ci, c'est multi plus 20. Et elle pourrait remplacer la supernova parce que je crois pas qu'on a fait 20 paires. En fait, qui a gardé le fil de combien de fois on a fait de paires? Ah, je l'ai joué 19 fois. Oh, mais non, mais du coup, prochaine paire, ça va. Ah, mais en fait, je viens de comprendre, c'est le nombre de fois que t'as proqué paire. Ok. En vrai, ce n'est plus utile. Ce n'est plus utile parce que la prochaine paire, on sera à 20, quoi. Après avoir battu la boss blinde, gagné 15$. Chier cette histoire. 50 000. Oh, j'ai cassé ma carte en verre. Mais bon, ça a gagné. 11$, le brelan, le joker, le celestial pack. Putain, de la merde, de la merde, de la merde, de la merde. Il y a que couleur qu'on... Ouais, vas-y, on va bourrer couleur si jamais. On rappelle, on s'est jamais défaussé de notre vie. Hein. Là, on est toujours en x2 solide. La paire. Il y a déjà des trucs mieux, quoi. Là, j'aurai 76$ si je passe le truc. Mais de toute façon,
Le but, c'est de tuer cette 100 000. Toutes les cartes. Bon, alors bonus perdu jusqu'à ce qu'un joker soit vendu. Et y'a même pas. Y'a même pas père quoi. Ça passe, bon, si vous le dites, hein. Ah, lui il est chaud! Mais faut vendre un joker. Oh là là. Putain, faut gagner en vendant un joker. Ah mais attends, parce que moi j'ai déjà. Sans jouer. Sans jouer, lui. Attendez. Est-ce que vraiment j'ai. Est-ce que vraiment j'ai besoin de jouer? On a gagné! Il n'y avait pas besoin de jouer! Alors, du coup, on a enfin. Voilà, ça m'aura pris. Combien d'heures de jeu j'ai là sur Balatro? 6 heures. Alors, sachant que cet après-midi, vous vous souvenez, on a désactivé Steam Cloud pour pouvoir avoir le droit de faire le tutoriel parce qu'on avait chibré le truc. Du coup, au boulot, j'ai rejoué, mais sur une nouvelle partie. Mais du coup, en mode interminable, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, genre, on peut essayer de bourrer, hein. On peut essayer de bourrer. Plus simple, défausse par manche, mais je veux pas défausser. Ça se trouve, comme elles sont toutes spéciales. Bah, non, le Joker là, il était pas spécial. 0,25 au multi pour chaque carte acier dans votre jeu. Ta gueule. Voilà, la paire est passée level 9. Là, bon, l'avantage, c'est que je suis plutôt serein. Parce que on a gagné. Moi, j'ai fait ce que je voulais. J'ai réussi ma life. Parce qu'il y a deux jokers communs, 165 000. Bon, au moins, voilà, je voulais pas lâcher ce jeu de ses morts. Et partir sur FF7 avant d'avoir complété une run. Mais là, il commence à résister, hein. FF7 après-demain dans deux streams, dans deux dodos.
Multi plus 4, non, 1,5. Ouais. Taille de la main, moins 1. 220 000 par contre, hein. C'est chaud. Les cartes à jouer peuvent être achetées dans le magasin. Double mon argent, s'il te plaît. C'est le pire marchand du monde, hein. Nightingale, ouais, si, il faudrait qu'on le teste, hein. J'ai besoin d'améliorer deux cartes ou de gagner plus d'argent. On va gagner plus d'argent. Pour s'acheter des cartes. Je suis pas à l'infini là. Je suis en manche 10. Plus 10 au multi. Ouais, mais ça, faut qu'elle marque, on est d'accord, hein. Sinon il va rien se passer, elle sera pas comptée. Donc là faut juste que je bouge, que je veux proquer, mais si je mettais le 6 là, il aurait pas proc. On est d'accord. Hein. Et multi plus 4 quand même. Et on va peut-être crever en fait. Parce que là, c'est loin quand même, hein. Là, c'est quand même un peu loin, hein, le truc, hein. Il me reste une main. J'ai une paire d'as. Tu te rends compte, si je fais deux paires, c'est 40 x 3 à la base, alors que là, la paire, c'est 130 x 10. Ça va pas passer, ça. Faut que ça proc le côté chance. Ah non, on est mort à la dixième mise. On n'a jamais fait mieux. On a bloqué le truc. Sans jouer brûlant, on a débloqué multi x 3. Ok, on a débloqué moult joker. Non mais là, on sait, les choses se sont quand même bien passées. Hein. Genre par exemple, toutes mes cartes sont devenues foil ou holo quasiment du premier coup. Copier les capacités du joker sur la droite. Ah oui, d'accord. Donc là, tu peux commencer à faire des trucs de fou. Hein. Commencer la partie avec la bombe d'achat, boule de cristal. Le jeu magique a été débloqué. Tu commences avec boule de cristal. Et deux copies de le mat. Ah oui, sympa. Bon, du coup, on a réussi à gagner. Petite dinde n'octroie pas de récompense en argent, applique toutes les mises précédentes. Ah d'accord, donc là on a une difficulté, ok. Supplémentaire. Mais le premier défi, c'est de finir avec tous les jeux. Donc là par exemple, c'est plus un main. Et techniquement, vu qu'on n'a pas joué des fausses dans notre style de jeu d'avant, ça nous a bien servi. Là on a une main en plus. Alors qu'est-ce qu'ils appellent les étiquettes ? Parce que bon, ce que tu obtiens quand tu quittes une... Ah d'accord, donc ça double la prochaine
Le prochain skip, oh, putain. Ok, ok. Dur hein, de faire une quinte dans cet état-là. Bon, l'avantage, c'est que tu peux... Je peux parier sur le cœur. Hein. Voilà, du coup, c'est de la merde. Alors ça, si tu joues deux paires, c'est pas mal. Hein. Mais c'est pas non plus la folie. Moins 1 à la mise initiale, moins 1 par manche, moins 1. Je comprends rien, ça. Là, je passe à 0. C'est quoi, ce truc? Que fait vraiment ce hiéroglyphe? Moins une main par manche. Tu veux passer à zéro. Mais ça, quel est l'intérêt? De jouer plus longtemps pour avant de finir? Tu reviens avec la mise en arrière. Ah oui, d'accord. Mais c'est écrit deux fois, moins un à la mise initiale, moins un par manche, moins un à la mise initiale. Ah, donc le scale devient plus bête. Ok, d'accord. Donc tu te chibres le scaling. Ok. Ok, ça je comprends. Ça je peux comprendre. Double votre argent. Qui est de 0. Pour l'instant, aucun bonus. Hein, donc il va falloir serrer les couilles. Vas-y, on est joueur. Alors, lorsque la blinde est sélectionnée, créez deux jokers communs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand est-ce que tu ne sélectionnes pas la blinde? Sinon, je peux pas l'acheter, mais... Ah, c'est tu skips. Ah, quand tu skips, ok. À chaque manche. Non, c'est... Alors, ça n'a... Alors, oh là là, hé. Le chat, dans toute sa splendeur, ça proc si tu skips. Non, ça proc à chaque fois. Donc, encore une fois, je n'aurai la réponse que quand je ferai ça moi-même. Multi x3 si la main de poker jouée a déjà été jouée cette manche. Oh, ça c'est très très fort. Plus 3 au multi lorsque n'importe quel paquet de booster est passé. Ça aussi c'est fort. Je pense qu'on va acheter les deux. Hein. Oui, le boss demandait que 200 parce qu'on est revenu en arrière avec un voucher. Un bon de réduction. Donc là, faut faire des boosters. Faut craquer des boosters pour faire... À chaque booster fera plus 3. Et ça fera x3 chaque fois que je recommencerai la même chose. Donc on va tester, on va faire paire. Là, je vais faire paire. Les cartes figures jouées ont une chance sur deux d'octroyer 2$ en marquant. Oh merde, j'ai même pas de quoi m'acheter un pack.
Ah, c'est rude. On n'a pas beaucoup de tulle, hein. On est d'accord que cette manche, c'est pas un groupe de 3 blinds, c'est 7 blinds, quoi. Oui, c'est ça. C'est cette, la manche, c'est la manche. Hein. On est d'accord. C'est comme chaud parce que ça oblige. Donc attends, là je vais faire une paire. Parce que je mise sur la paire d'as pour avoir x3. On va se prendre un jumbo arcana. Hein. Voilà, ça j'aime bien. Ah non, attends. Tu vois, là par exemple, pas de moule. Alors que la paire, ça c'est bien. Reproc couleur. Mais bon, faire deux fois couleur, c'est quand même compliqué, quoi. De toute façon, il va défausser, mais bon, c'est pas grave. Voilà, vous avez vu, je temporisais pour utiliser, faire deux. Vaut mieux que je fasse deux petites paires. Deux jetons pour chaque dollar possédé. Ça, c'est puissant. Une chance sur 5 d'obtenir plus 20 au multi. Hein. Je suis un mec des 9 en ce moment. Je sais pas pourquoi. Parce que ouais, tant que je fais pas une deuxième paire, il se passe pas grand chose. Hein. La stratégie de faire, d'attendre la deuxième paire, c'est quand même... c'est ballsy, on va dire. Là, je fais une paire de merde pour ensuite faire une grosse paire alias une Benjamin Daniel, voilà, et là c'est bon. Ouais, avec l'extension Twitch, ouais, c'est vrai que des fois t'as envie de regarder, quoi. C'est ça le plus intelligent que j'ai à faire. Là du coup je pourrais jouer de la merde. Putain, mais j'ai toujours pas ouvert de booster, je suis vraiment con. Putain, faudrait peut-être que j'achète des boosters. On va craquer des boosters, hein, parce que... C'est pas quand tu les ouvres, c'est quand tu les skips. Quoi? Ah, quand n'importe quel paquet de booster est passé. Donc attends, faut les ouvrir et les skip? Ah ouais, non mais d'accord, mais ça m'intéresse zéro en fait.
ça m'intéresse pas beaucoup moins. Putain, et là, il y en a aucun qui est passé holo, quoi. Reprenons, clac clac. On sait qu'on a un x3 sur la dernière, quoi. Sur la dernière main, donc c'est... Ça fait quand même un sacré filet de sécurité, d'où le pixel art très très intelligent. À nouveau la première carte pour marquer des points. Oh, pas fou, hein. Ah, c'est de la merde tout ça! Alors, l'avantage c'est qu'on a le plouf. Le plouf fait. Il est plouf aluminium, donc il donne plus 50 jetons de base. La première paire, faut qu'elle soit pourrie. Je suis bête, la deuxième paire, là faut que je joue des cartes fortes en même temps parce que ça rajoute 19 au truc. Je peux jouer du pif. À double. Ajoute le double de la valeur. Ça peut être très bien. Empêche la mort, ces jetons marqués constituent au minimum. Et elle s'auto-détruit. Ça, c'est vraiment pas mal pour survivre à un truc à la con. Je sais pas si c'est ma game, quoi. On va acheter celui-là en attendant. Perdez 1$ par carte jouée. On va jouer un minimum de cartes, hein. Ah oui, d'accord. Putain, 1$ par carte jouée, quoi, ta mère la pute. Bon, on va partir sur les deux paires. Un pack méga céleste si je skip, vas-y je skip. Et il veut jamais qu'on augmente la paire, c'est un truc de... Augmente carte haute. Augmente couleur. Couleur passe niveau 5. Hein. Magasin possède un joker aluminium. Aucune défausse, ça c'est très bien. Ouais, mais je veux gagner de la tulle en fait. On va la faire, j'ai envie de... Faut que je farm. Pas possible autrement. Putain, faudrait que j'apprenne à jouer d'autres cartes en plus, là. Plus 26 carrés, joker, bouffon, les quintes débiles. Je mise tous, le tout pour le trou. Les cartes jouées, valeur paire. Plus 4 en multi ou plus 30 jetons. Mais ça, c'est un peu n'importe quoi. Hein. Je dois bien avouer. L'erreur d'impression, c'est pas un game plan en fait, hein. Je viens de me rendre compte.
J'essaie de faire gaffe à pas faire un brelan par erreur, tu vois. Et pour l'instant, on n'a pas encore eu besoin du x3, donc du x9. Ah, il faut virer les petites cartes avec le fist. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai que j'oublie ça. La thune. Oui, parce qu'à la fin, il faut que dans ta truc, je rajoute plus 20 au multi, donc ça commence à être sympa. Ah, du coup, là, la paire, plus les conneries. Quoi, 20, plus 20 au multi. Oui, oui, forcément. Si je m'arrange pour avoir, ça fait un plus 20 direct. Alors lui, ça peut être un peu plus intéressant de revendre l'erreur d'impression et de le remplacer par le voyant. Je sais pas si t'en penses, ce que t'en penses. Plus des cartes de tarot. Pour que on fasse augmenter enfin, surtout quand c'est pour doubler l'argent hein, c'est... prochain booster gratuit. Allez, d'accord, du coup là j'ai le coupon. Une carte sur 7 est tirée face cachée. Ça va le faire, ça va le faire. Là au moins on a un plus 9 solide. Ah, c'est juste carte haute ça. Heureusement qu'on a le triple facteur en dernière. Vendez cette carte pour désactiver la boss blinde actuelle. Multi plus 4. Les paquets Celeste contiennent toujours ce que tu veux. Meilleur deux cartes. Ah, une chance d'en croumer un. Putain! Et au moins, ça fait plus 12, voilà. Ah, copier les capacités du Joker sur la droite.
Ça peut être bien de... Qu'est-ce que t'en penses? Faut l'acheter, c'est sûr. Mais du coup, qu'est-ce qu'on vire? De toute façon, on peut acheter les deux. Est-ce qu'on vire le x3 sur la manche? Parce que de toute façon, je pourrais mettre le maître des cartes en copier. Du coup, j'aurai tout le temps x3x3. C'est lui. Celui qui proc le moins souvent, c'est celui-là, quoi. Ou le fist. Ah, le fist, il fait plus 20. x27, c'est mieux que x9. Bon, bah, dit comme ça. Celui-là, il fait plus 20. Alors que celui-là, il fait plus 12. Mais bon, plus tard, il fera plus. Pour qu'il fasse plus 20, ça va être compliqué. Mais in fine, bon, il scale pas, je suis d'accord. Mais si je fais ça, il fait déjà plus. Celui-là fait plus 22, du coup. Il est plus 22 sur le premier, et après, quand tu rejoues, tu fais comme ça pour avoir x9, et au dernier tour, ça fait même x27, quoi. Merci, le zar bizarre, pour les 23 mois. Bon, on y croit à mort. La boss blinde, c'est les cartes les faces cachées après chaque main jouée. Bon, ça va, on peut vivre avec. Pas dingue, hein. Donc là, je la mets là. Je refais une paire. Heureusement qu'on a le x3 final. Pour faire des choses, hein. Si la première main de la manche est un 6 simple, détruisez-la et créez une carte spectrale. La paire. Attends, nos paires ne sont qu'à plus 1? Putain, mais quelle arnaque! Ah merde! Quel con, putain, fallait que je bouge mon truc. Ah mais non, c'est deux paires ça. Putain, qu'est-ce que je suis con. Ah, oh, je proc pas mon truc. Ah, je suis vraiment un abruti, quoi. Mais là, j'ai plus le fist, donc je suis pas obligé de jouer les cartes de merde à la fin, là. Enfin, juste pour... Sauf pour m'en défausser, quoi. Là, faut que je fasse une paire parce que c'est. Mais là, au moins, je peux faire un truc avec avec des grosses cartes. Ah bon, le x27 un peu craqué, quoi. Bon, ce qui serait, c'est que la paire soit mieux que prévu, quoi. Parce que là, commence à être plus du slip, quoi.
Et ça, c'est bien aussi. Hein. Qu'on a fait 36 paires. Je pense que c'est mieux de rajouter ça. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? De changer le plouf. Même si le plouf est holo, hein. Alors du coup, là, si je fais une paire, ça ferait 60... Donc attends, si je joue une paire de merde. Plus de la merde. Plus 37. Et là, si je me mets là... Oh non, c'est deux paires, putain de merde, ça fait pas le proc. Putain, je me suis fait avoir. C'est la baiserie, quoi. Faut que je parie sur le fait d'avoir une paire. On va pas perdre sur cette connerie. On était trop confiants! Ah oui, en plus, le discard... ça... Mais en fait, dans ma tête, j'étais en mode no discard parce que j'avais encore les ramen, quoi. Putain, mais oui, en plus, le fait de défausser, ça m'aurait montré les cartes.